Vraiment. Connecté pour mes personnages, jaser un peu. Ah, reconfinement. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Ah, bonsoir. Vraiment. Comment allez-vous là? Ouais. Grâce divine Isabelle Katélé-Koné, comment vas-tu? Ouais. Ils ont reconfiné en France là. Votre impacteuse est. Je suis à plat là, moralement. Ouais. Je suis vraiment à plat, ça je vous dis. J'ai besoin de parler un peu avec vous. Ah, vraiment. Dites-moi quelque chose ce soir-là. Ouais. Amina Yacoub, comment vas-tu? Ouais. Vraiment. Ça, c'est Kouglouzia. Quand on dit Kouglouzia, l'oiseau de malheur, COVID-19. Ouais, quand on a reconfiné, depuis 2 jours-là, depuis ces jours-là, je ne suis pas trop bien dans la tête parce que je m'inquiétais. Compte tenu de la situation en France, là, ça m'inquiétait. Je dis, mon Dieu, il ne faut pas qu'on refasse le confinement. Oui, le couvre-feu encore, c'est supportable. En tout cas, moi, à mon avis, hein, c'est supportable, mais. Le confinement là, on m'a mis bim le soir là, on m'a mis bim même. Ouais, suis déçue. On va écouter un peu une petite chanson là, de notre feu papa national, Louga François. Parce qu'il est parti à Paris pour faire la vie de Louga. Oh. Oh. Quand elle fait la vie de Lougan, on m'a coupé ça. Kouglouzia, c'est l'oiseau de malheur. Vraiment. L'oiseau de malheur est venu prendre tous mes parents. Oh, vraiment. Kouglouzia. Audrey, c'est toi, je vois un cheveu rouge là. Vraiment, mes impactés. Omela Sala. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Clarisse. Ah, merci. En tout cas, ouais,
Notre feu papa national. Ouais. Vraiment, merci pour les cœurs. J'ai pris un petit whisky, après ça m'a dormi. Ouais. Les cimetières se rapprochent du village. Maïmouna Sana, salut à toi. Merci Clarisse Ekra. Vraiment, faveur de Dieu, merci. Merci. Votre impacteuse avait prévu des trucs pour vous. Les impactés de France, il y avait quelque chose qui était prévu pour vous. Ouais. Merci, merci, merci. J'ai le moral un peu à zéro ce soir. Ouais, parce que quand ils avaient un peu ouvert les frontières, j'avais programmé quelque chose sur la France pour le temps des fêtes. J'avais prévu aller en France pour le temps des fêtes, mais là, la nouvelle... Quand déjà on a mis les gens de France en coupe-feu là, j'ai dit bon, coupe-feu, bon, c'est pas grave. On peut faire la fiesta la journée, tout et tout. Mais quand je commençais à voir que les restaurations, les gens qui sont dans le domaine de la restauration, on a commencé à faire choses là, ouf. Je commençais à être fébrile là, je l'avoue là. Et puis depuis quelques jours, on a dit que le président Macron devait parler là. Je vous dis que j'étais pas tranquille. Et puis la nouvelle est tombée ce soir là, comme quoi c'est le reconfinement en France. C'est déprimant, ça je vous l'avoue, c'est vraiment déprimant. Ouais. Flora Anzo, comment vas-tu depuis Edmonton? Tu vas bien? Ouais, c'est quelque chose là, le COVID là, on ne sait plus où ça nous emmène là. Moi, je comprends pas. Je comprends vraiment plus. Je connais des personnes qui ont eu le COVID. Ils n'ont pas eu de traitement. Ils sont guéris. Ils sont sur pied. Bon, on comprend plus. En tout cas, moi, je comprends plus rien. Je sais pas si vous comprenez. À tel point que souvent, même là, je demande à mon mari, mais toi qui travailles avec eux, alors, est-ce que cette affaire-là, mais est-ce que c'est vrai? Il dit, mais c'est vrai. Qu'est-ce que tu crois? Je dis, ah. C'est quelle maladie on ne trouve pas son médicament? On ne trouve pas médicament, on ne trouve pas vaccin. On peut rien, on s'est dit, on ne peut rien planifier à long terme, le COVID. C'est pour ça qu'il y a mis Kouglouzia de comment on appelle ça, de Louga François. Kouglouzia, l'oiseau de malheur, le COVID-19, ou bien la COVID. Maladie même qui a qu'on peut appeler le, on peut appeler là. Vraiment. Je vous parle là, je suis à plat là. Maman, Mireille Agbessi Loco, je peux imaginer. Le confinement là, ce que ça m'a fait ici là, ça a failli nous autres là, nous rendre dingue là. Ben, nous autres là, on aime s'extérioriser. Moi, je ne suis pas quelqu'un de l'intérieur. Et puis, je travaille aussi à l'intérieur. Donc, imaginez comment je me sens. Je travaille à l'intérieur, on ne peut plus sortir, on ne peut pas rendre visite. Ça dit que c'est redevenu. Et puis moi, ma zone là est considérée comme zone rouge. Actuellement, là, du côté des Wendy, là, c'est rendu une journée sur deux pour aller à l'école. Ils ne vont plus maintenant chaque jour à partir de lundi, je crois. Je dis, bon, au moins là, comme je n'ai pas pris de vacances l'été, bon, je vais profiter d'aller en France. Pour pouvoir au moins passer du temps en famille. J'ai vraiment plein de personnes que je devais rencontrer. Bon, mes impactés, c'est la surprise que je vous réservais. Malheureusement, c'est tombé comme un couperet là ce soir. Ouais. Non, j'ai jamais été en Australie. J'ai jamais été en Australie. Mais ce qui est, si je cherche une destination. Je ne peux pas rester ici comme ça enfermé. Il faut
que je prenne mes vacances, là, je ne peux pas rester dans la maison. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'on va devenir. Parce que quand les États-Unis vont rentrer dedans, là, le Canada, là, eux, ils sont les suiveurs des États-Unis. Dès que les États-Unis vont prendre une décision, là, tout de suite, ils vont faire. Ma seule prière, oui, je suis assise, là, il dit qu'il ne faut pas ils vont fermer les frontières. C'est qu'elle suit, il ne faut pas en finir. En tant qu'une Canadienne, tu peux sortir, tu peux rentrer, mais c'est juste que tu as fait des jours de confinement quand tu vas revenir. Donc, je suis en train de revisiter pour voir où va être ma prochaine destination. Mais j'ai besoin un peu de vraiment, j'imagine comment les gens se sentent encore. Donc, c'est de nuit, genre, aller au travail, venir à la maison. Comment on va faire avec ça? On ne trouve pas vaccin. Il n'y a pas vaccin. Je t'ai dit, Lydie Bureau, comment vas-tu? Ma jolie soeur, tu vas bien? Je t'ai dit, là, c'est démoralisant. Il dit, toute la journée, là, j'étais façon, façon comme ça. J'ai dit, Seigneur, pardon, j'espère qu'on ne va pas parler. Il peut parler de tout sauf confinement. C'est ça qui est arrivé là. Oui. Ma joie, MJ. Ça dit, c'est ça qui est à l'ordre du jour actuellement. C'est la partie, c'est sur ça on est là. Même les compagnies comment on appelle ça, les compagnies d'avion là, ils sont tellement, ils ont le billet même que j'avais pris, ils ont dit que c'est un billet qu'on peut annuler à tout moment. Dieu merci, on les a appelés ce soir, ils ont dit, bon, avec la nouvelle là, les gens appellent de partout même pour déjà canceller les voyages. Donc, c'est cette destination-là que je suis en train de regarder. Tu es dans la révélation. Je suis en train de regarder ça. En train de regarder ça. Vraiment, je suis démoralisée. Habituellement, là, je prends l'alcool les vendredis soirs. Mais si vous me voyez prendre un verre comme ça, mercredi, là, je finis de prendre ça et m'aider à dormir. Non, je ne vais pas regretter, je sais. Je ne vais pas regretter. Je suis dessus actuellement. Le remboursement, là, on a entamé ça aujourd'hui. D'ici 3 jours, ils vont reverser. Et puis, je vais voir. Je vais prendre ça. C'est ma destination qui est là. C'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Vraiment, moi, je fais partie des gens qui ont le doute dans la tête. Je suis désolée de le dire, là. Moi, je fais partie. C'est mélangé dans ma tête. Oui, je suis là. C'est mélangé. Depuis un moment, mais c'était déjà mélangé dans ma tête. L'affaire du COVID, là. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a jeté un sort dans la nature, ouais, c'est quoi? Mais ceux-mêmes qui ont créé leur maladie là, eux, ils vivent là-bas tranquille. Ceux où maladie même est quittée là, eux, ils vivent bien. Puis nous, on souffre. La vie a repris son cours en Chine là-bas, non? Non, je ne vais pas regretter ma joie. Après la même là, je vais rentrer dans ton inbox. C'est là-bas, c'est vers là, je m'en vais. J'avais même, ça dit, depuis qu'ils ont annoncé même comment on appelle, le corps COVID, ils ont annoncé, on vous a mis en couvre-feu là-bas. Je voulais prendre l'hôtel, j'ai même pris tout, tout, tout. Après, j'ai dit à ma soeur, non, attends. Attends, comme l'hôtel là, ces choses, on va attendre. Quand Macron va finir de parler, puis s'il est vu dedans, et puis bon, on va confirmer la réservation. Et puis bon, la nouvelle est tombée. Et. Même rhume, même ici. C'est pareil, nous autres, même là, on est un peu indulgents. Sinon, le rhume, là. Les enfants qui ont le rhume, on dit rhume est tout. Faut les garder à la maison. Mais dans la vraie vie, là, rhume est tout, là. C'est la saison qui est là. Donc, avant ça, il n'y avait pas autre maladie. J'ai dit que c'est l'enfer. Moi, je ne comprends plus rien. C'est terrible, cette maladie-là. J'ai dit que Dieu sait pourquoi il nous a épargnés là-bas. C'est ce que j'avais dit quand on était comment on dit ça, on était dans la période de confinement. J'ai dit que Dieu même là, il existe. Dieu existe. Ça, je le dis et je le répète toujours. C'est les à côté de tout ce qui vient à Dieu là. Moi, je ne suis pas dedans. Mais sinon, Dieu existe. Parce que s'il avait mis cette maladie là-bas, là, on allait mourir comme des poulets là-bas. Rien chez eux, ils n'arrivent même pas à trouver la solution. Hop, Bailly, comment vas-tu, ma chère? Bienvenue. Hé, ma fille, tu as vu que je n'ai pas pu t'appeler, Fifi. Je n'ai pas pu t'appeler. C'est les larmes sur moi qui étaient là, le soir, là. Macron, comment inciter? On peut pas faire telle étape. Il dit, va droit au but, président Macron. Faut aller droit au but. Tu vas faire reconfinement ou bien tu vas pas faire reconfinement.
La partie là-bas, il n'a pas regardé. Finalement, je suis parti. C'est plus tard, j'ai regardé sur TF1 et j'ai vu qu'il a reconfiné. Donc, Fifi, tout ce programme qu'on avait fait là, tu vas pas voir ta maman. Oh. J'ai même envie de pleurer. Vas pas voir ta maman. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il sait pourquoi tout ça. Tout ce que je demande, c'est que, oui, c'est vrai, aujourd'hui, moi, je pleure parce que, bon, je ne peux pas partir en voyage, mais j'imagine ceux depuis la crise de COVID a commencé, ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui ne se retrouvent pas. Kimbi, oui. Christian, il va, comment vas-tu? Christ, il va, pardon, Ivan, pardon. Comment vas-tu? Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi. Elle dit, j'ai la toux depuis. Tu peux pas tousser. 2 jours même, j'étais ici dans le rhume là. C'est qui a envoyé? C'est les enfants qui ont envoyé, mais tu peux pas. Quand tu as commencé à tousser, dehors, les gens, ils vont te voir, ils vont se dire que les parents, ils vont penser que c'est toi qui as. Pourtant, c'est les enfants qui te contaminent. Donc, je mettais mon masque. Dieu merci à elle, les médicaments. Oui, Dieu existe, ma chère Lydie Bureau. Dieu existe. Parce que s'il n'existait pas, il sait pourquoi. Regardez comment comment on appelle ça, l'Ebola a fait des victimes. L'Ebola, là, ils sont venus à nos secours là-bas parce que eux, ils étaient clean ici. Mais imaginez, si c'était, ça dit que la façon dont ça a pris ici, là, si ça avait pris en Afrique. Dieu a dit non, je ne peux pas permettre ça. Ça n'a qu'à prendre un côté où ils peuvent se défendre et puis là-bas, ils vont faire jusqu'à ce qu'ils vont finir par trouver la solution. Vraiment, votre impacteuse est triste le soir. Ouais, Dieu seul sait pourquoi. Il sait pourquoi c'est comme ça. Je te dis là, Ouais. Oui, reconfinement. Ah. Reconfinement, il a dit qu'en décembre. Décembre, là, est-ce que c'est un coup? Ils vont ouvrir tout. Ils vont faire un peu, avec quelques restrictions. Un peu, ainsi de suite. Jusqu'à on va tomber dans le temps des fêtes. Quand on a dit 1er décembre, là, il reste 24, 20 jours et puis on tombe dans le temps des fêtes. Ils ne peuvent pas tout relâcher comme ça dans le temps des fêtes. Non, non, non. Ils vont aller un peu. Donc, ça veut dire que ça ne vaut toujours pas la peine. Finalement, là, j'ai cancellé. J'ai cancellé le billet. Ok, là. Bonne arrivée. Ça a bien été? Oui. Ok. Et toi? Ben, moi, je suis so-so. Tu sais qu'ils ont reconfiné en France. Ah. Donc, c'est ça, tu me vois là. Je suis là pour que mes impactés me consolent un peu. Donc, ouais. Ouais, c'est ça, ma chère. C'est pas facile, hein. Mais Dieu fait grâce, Dieu fait grâce. Mais on espère que c'est, je sais pas, je sais pas. De tous les hommes politiques internationaux qui ont eu ça là, eux tous ils sont guéris de ça. Eux tous, il n'y a pas un qui est mort parmi eux. Bon, c'est les gens, les personnes lambda comme moi là qui meurent à l'hôpital. Et aujourd'hui, oui, c'est le constat que j'ai fait. Oui, le président Zinzin Baïfoué qui est à côté de nous, c'est là. Souvent quand il parle aussi dans ce qu'il dit aussi là, tu peux aller regarder un peu dedans pour dire, mais il n'a pas si tort que ça. Il a l'italienne Thérèse, salut à toi, merci beaucoup. Ouais. J'avais réservé plein de surprises comme ça, plein pour Paris. Je passais du temps à Orléans et puis après je venais 5 jours. J'ai dit que il y a Dieu dans cette affaire-là. Dans la vie de l'impacteuse, il y a Dieu. J'ai profité, ma soeur, pour te dire merci ici. Une impactée qui vit, je n'ai même pas dit son truc, comment on appelle ça, son là où elle vit, mais c'est qu'elle sur elle vit aux États-Unis, qui m'a offert tout frais payé sur un hôtel, sur les Champs-Élysées, pour les 4 jours que je devais faire à Paris, tout frais. Elle avait déjà fait la pré-réservation. J'ai dit non, attends. Comme on dit, Macron va parler là, attends. J'ai dit que j'allais aller faire la live. Paris, c'est bon aussi en décembre. J'aime la façon dont les Français fêtent Noël. Tout ça là. Dieu est grand. Non, Mireille a Agbessi Loco.
Je me pose la question. On dit que premier ministre de Grande-Bretagne a eu ici la femme de notre premier ministre a eu le président Zézé Mbayéfoua à côté ici. Il a eu tous ceux-là. Ils ont eu. Ils sont guéris. Ils sont là. Mais aujourd'hui là, si tu es une personne lambda comme moi, tu rentres à l'hôpital, tu ressors plus ici dans un pays développé. Tout ça, ça fait de COVID. Tu rentres à l'hôpital. Il dit que c'est la prière. Tu rentres à l'hôpital aujourd'hui, tu ne sors plus. On va perdre d'une manière, on ne sait pas ce qui se passe. Et les parents ne peuvent pas aller te rendre visite. On ne rend plus visite ici aux malades. Donc, quand on se réveille matin, on dit merci à Dieu. On veut dormir aussi, on lui dit merci. Parce que si une maladie t'a pris ici en Occident, on te prend, on te dépose dans une chambre là-bas, Dieu sait ce qui se passe après. Donc, cette maladie-là, cette pandémie-là, elle est venue avec, ça dit que ça dit que des conséquences désastreuses. Sans compter l'économie, ceux qui ont perdu. Faut pas rentrer à l'hôpital à l'air là. L'Africain, les tisanes. Non, c'est vrai, c'est vrai. Amina Yacoub, à l'air là, tu vas pas rentrer à l'hôpital. Tu rentres pas à l'hôpital à l'aile, là. Qui va aller te suivre là-bas? Qui? C'est quand ton parent vient, ta femme ou ton mari ou bien quoi qui vient, au moins là, qui peut demander les nouvelles, mais tu n'es pas sur place. Ce qu'on te dit au téléphone, c'est ça qui est là. Vraiment. C'est dur, cette affaire-là. Ah, tisane à l'africaine là, les comment on appelle ça, les menthes, les trucs de citron, le gingembre, tout ça là. Parce que moi je connais quelqu'un qui a eu COVID là, on n'a pas donné médicament. Hein? J'ai dit, mais donc si on ne donne pas médicament, tous ceux qui meurent là, donc il y a quoi? Donc ça veut dire qu'ils avaient eux-mêmes leur maladie en bas. Ça c'est mon analyse que je fais passer à un moment donné aussi là, même s'il y a une situation qui se présente, chacun doit réfléchir au moins à sa façon. Moi maintenant je réfléchis. Au début, là, un peu, j'ai dit, oh, ça existe, mais maintenant aussi, elle me pose aussi des questions. On doit se poser aussi des questions un peu. Comprends pas, fait de COVID et d'un tabac, comme si avant, on ah, c'est un ingrédient africain, là. Comment on appelle ça? La menthe, là. Ça dit, si tu te. Comme je me sentais pas bien à un moment, là, j'étais un peu inquiet, tout et tout. On m'a dit, menthe. Avec gingembre et puis un peu de citron. Tu fais ça le soir comme ça. Et puis bon, ça aidait aussi. Non, mais c'est vrai. Après, tu ne peux plus aller à l'hôpital. Ça fait peur. Au Canada, même encore, au Québec, encore, le système de santé même était déjà, je ne vais pas dire précaire, mais fragile. Maintenant, COVID, même, elle vient se mettre dedans. Vous pouvez imaginer à la télé ici, ils ont dit qu'il y a une liste d'attente de 4 à 6 mois pour des gens atteints du cancer. On ne peut pas les opérer. Quelqu'un qui a déclaré qu'il a le cancer, normalement, il doit être opéré dans l'affaire de COVID. Il a dit que c'est la prière seulement. Gingembre, le citron, vert. J'ai mixé, tu mélanges l'eau chaude, tu passes bien au passoir. Oui, c'est ça. C'est ça. Gingembre, citron. Un peu de menthe. Je suis déçue et peinée, Clarisse Écra. Très déçue. Ouais, je comprends pas comment. C'est terrible. Tout le monde est dommé. Ouais. Vraiment, c'est ma peine que Pata est avec vous ce soir. C'est ma peine. J'ai dit non, c'est trop lourd pour moi. Je ne peux pas donner. Il faut que j'en parle à mes impactés. Je vais me libérer. Et puis bon, après, bon, on passe à autre chose. Ce qui est sûr, la prochaine destination, ça ne peut pas être l'Europe. Ça, c'est clair. Non. Ça ne peut pas être la paille à tout. Même si on ouvre, il y aura trop de restrictions. Ça, c'est clair. Je ne vais pas me stresser avec ça. Vraiment, c'est Dieu. Où cette maladie l'a quittée, puis c'est venu nous mettre à genoux. C'est vraiment lourd, comme dit Gloire Marion.
se quitter où et puis c'est venu nous mettre à terre. Je connais des gens au pays là-bas, ils disent que depuis le Covid a fait l'activité, tout, ça dit que ça ne marche plus pour certaines personnes. Il y a des gens qui avaient voulu commencer des business, tout ça là. Fini. Tu as fait comment? Ouais, c'est fort. En tout cas, vraiment, on ne sait pas où donner de la tête. Toute ma prière, il faut pas qu'il referme les frontières. Pas qu'il referme les frontières. Parce que s'il ne referme pas les frontières, ça veut dire qu'on peut sortir pour aller dans notre pays. C'est seulement que la condition. Et puis, après le COVID, il y a fait d'argent dedans. Est-ce que vous savez que le test de voyage COVID au Canada, c'est 200 et quelques mille francs, 200 et quelques dollars. Test COVID, voyage pour... Un test que tu fais à l'honneur juste parce que maintenant, le médecin doit te donner une attestation. Donc, ça veut dire que tout ça, maintenant, on fait économie. Là, ils ont distribué aux gens, là, tout ça, on a cherché l'un là-dedans. On a un frère qui est parti à Abidjan. Il dit que ce qu'ils ont dit, c'est le pays là-bas qui demande le test. Oui, le pays demande, mais est-ce que le pays là-bas a dit que c'est 200 et quelques dollars? Puisque moi, je sais que pour quitter au pays, le test est à 60 000 francs CFA. Si je ne m'abuse, 50 à 60 000 CFA. Le test COVID voyage, mais au Canada, test COVID voyage, c'est obligatoire. Le frère ne savait pas. Il arrive à l'aéroport, on dit, où est ton test COVID voyage? Il pensait que ce test, d'ailleurs même, il dit, il a eu des problèmes puisque le voyage a dû être reporté. Donc, quand je lui disais que ah, j'ai peut-être l'intention de voyager, il m'a dit, faut faire test COVID. Voyez, effectivement, j'ai pris les renseignements ici. Ils ont créé ça dans une clinique. Tu t'entends dans les cliniques de voyage. Hein, pour ceux qui ont une chose, c'est une information qu'ils vous donnent là. Tu vas dans les cliniques de voyage. C'est là-bas que tu fais le test COVID voyage. Je demande à la personne à laquelle, mais est-ce que c'est un autre test en dehors de celui qu'on a? Elle dit non, c'est le même test. Donc, si c'est le même test, pourquoi ça coûte 200 et quelques? Et 200 et quelques mille francs. Tu t'en vas à la poste? Faut aller voir là-bas. Ton père dit qu'il a acheté des choses. Oui. Oui, le voisin est guéri. Souraïla Kwame, c'est le voisin là, j'appelle Zinzin Baïfoué. Le voisin est guéri. Et puis, il fait sa conférence. J'ai regardé là, hier en Pennsylvanie, à Philadelphie. Oui, il faisait la. Il s'en fout. Genre, COVID, on s'en fout. Tous ses partisans là, il n'y a pas de masque. Le voisin est guéri. Mais on empêche. On empêche les gens de vivre. Canada, ici aussi, là, il y a des mouvements qui sont en train de se créer maintenant. Les mouvements anti-masques. Vraiment. En tout cas, je voulais juste vous parler, ça m'a fait un peu du bien. Donc, sachez que partagez un peu mes vidéos ici aussi, hein, les amis. Partagez parce que... Wendy, pardon, éteins la lumière là-bas, s'il te plaît. Faut éteindre. Voilà, puisqu'il y a trop en bas là-bas. Mes directs maintenant, je vais les faire ici. C'est sûr que je les fais ici. Et puis, je les mets sur la grande page. Les gens de la grande page aussi, je vais les encourager à venir s'abonner sur cette page-là. Parce que les directs maintenant, je vais les faire ici. Mais c'est sûr que si je les fais ici, il faut que vous partagez. Aïe, le voisin est un Africain. Comment un Africain? Il dit, je ris. Tu ris, attends. Ah, en tout cas, c'est un vrai Africain. Voisin, il s'en fout. Voisin, là, lui, s'en fout. Là, il sait que les carottes sont cuites pour lui. Donc, maintenant, là, il fait un je m'en fous même. Voilà. En tout cas, mes personnes, moi, je vous dis merci. Merci. Ouais. Ouais, courage à nous tous. Courage à nous tous. À tous mes impactés qui sont en France, parce que les pays de choses, on connaît comment ça fonctionne. Tout de suite, on entend encore d'autres pays ont confiné, on fait le reconfinement. Donc vraiment, tout ce qu'on peut faire, c'est de se serrer les coudes. C'est pas facile,
Ouais, c'est démoralisant de savoir que maintenant tu quittes juste le travail, tu viens, comme on dit ça, à la maison et puis c'est fini. Ouais, c'est comme ça. Même ici, même on peut plus aller rendre visite, surtout nous qui sommes dans les zones rouges ici, là, tu peux plus aller rendre trop visite comme ça, tout et tout. Et puis bon, vous connaissez les Whitey, là, ils sont papato, donc tout ça, la même. Vraiment que Dieu nous aide. Ah, l'italienne, toi-même, tu connais, eux, leur papato, là. Est-ce que vous savez que mon voisin, le Chichang, il n'a pas coupé son gazon. Tout cela est vu que non, je respecte les Whitey. Il n'a pas coupé son gazon tout l'été. Les Whitey qui venaient déposer les enfants tous les matins me disent, Monique, mais pourquoi tu portes pas plainte contre lui? J'ai dit, mais pourquoi? Ben, son gazon n'est pas coupé, là. J'ai dit, mais pourquoi veux-tu que je porte? Ben, parce qu'il est en train de dégrader votre quartier, il est en train de dégrader votre secteur. Ça peut envoyer des moustiques, ça peut envoyer des petits insectes. En tout cas, et puis, deux parents, ils m'ont dit, si c'était nous, on aurait déjà appelé la ville, on aurait porté plainte. Quelqu'un n'a pas coupé son gazon chez lui. Moi qui aime le bon voisinage, je m'entends bien, le Chinchang, j'ai porté plainte contre lui parce qu'il n'a pas coupé son gazon. Ça veut dire que je n'ai pas de problème dans ma vie. C'est quoi, ils sont les Chinchang, les Whitey. Ouais, en tout cas, vraiment, merci, merci beaucoup. Merci. Vraiment, va être le dernier confinement. Ah, en tout cas, j'ose croire que ça va être le dernier. On ne peut pas aller comme ça. J'ai dit que c'est devenu démoralisant. Surtout quand j'entends ici, moi-même là, depuis que je suis venue au Canada, je déteste les fêtes de fin d'année au Canada. Oui, j'aime l'ambiance, c'est beau, c'est bien décoré. Ça fait, j'aime, ça dit que j'aime l'esprit festif ici. Mais quand arrive maintenant la fête même. Généralement, les fêtes, c'est dans les maisons. Vous, encore en Europe, vous organisez dans des grandes salles. Ici, bon, c'est les associations qui se rencontrent. Sinon, la majorité des fêtes, c'est dans les maisons. Mon mari sait que moi, je n'aime pas les fêtes ici. Je préfère faire s'il y a des cadeaux, tata, et puis après, j'aime ça voyager. Donc, cette année-là, j'avais dit que non, je ne fête pas au Canada. Je ne fête pas, je ne fête pas. Et puis, bon, là, je me vois poignée. En tout cas, merci, merci beaucoup. Vous m'avez donné un peu de sourire. Tout et tout. Vraiment, prenez soin de vous. Et puis, bon, on se serre les coudes. Vraiment, pour tous mes impactés en France, je sais que ce n'est pas facile. Mais essayons de respecter les règles qu'ils ont dit de respecter. Ils ont dit de respecter, mais. On met masque jusqu'à. On veut s'étouffer, mais on dit que chaque jour, les cas augmentent. Mais bon, que voulez-vous? Vraiment, sur ce, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Au revoir.